On est donc aujourd'hui chez Honda. Honda qui propose le modèle CR-Z hybride, le CR-Z qui vient de la CRX. Donc on va voir si c'est une voiture un petit peu plaisir. Je suis avec Thomas qui est chargé des relations presse. Thomas, bonjour. Bonjour. Alors la CR-Z qu'on a derrière, existe un modèle blanc, il y en a d'autres un petit peu sur les stands, etc. Concrètement, qu'est-ce que c'est comme véhicule, la cible du véhicule ? Alors c'est, comme vous l'avez dit, c'est un petit coupé hybride. Donc d'abord orienté plaisir de conduire, plaisir du design de la voiture et en plus hybride. Est-ce que c'est un modèle qui est proposé dès maintenant ou comme on l'a vu chez certains constructeurs, un modèle hybride proposé pour montrer qu'on sait faire chez Honda, est-ce que si quelqu'un vient demain chez son concessionnaire Honda, il peut en commander une ou en précommander une du moins? Alors pas demain, mais juste après, on lance la voiture en juin. Donc au mois de juin, elle sera commercialisée dans le réseau Honda. Il est possible, je pense, de prendre d'ores et déjà quelques réservations. D'un point de vue motorisation, comment fonctionne la voiture? C'est de l'hybride, donc c'est électrique plus moteur thermique. Quel est le rôle de l'électrique par rapport au thermique? Je vous laisse vous expliquer. Alors, c'est un moteur donc électrique qui assiste le moteur à essence dans les phases d'accélération, donc pour rapporter un peu plus de puissance, un peu plus de couple. Et puis, lorsque la voiture décélère, à ce moment-là, l'électricité est récupérée pour recharger la batterie. Donc la spécificité de CRX, CRZ, pardon. Non, mais CRX, c'est bon. On n'a pas coupé, en plus, on laisse comme ça. C'est vrai. Ouais. CRZ, donc la spécificité de CRZ, c'est sa boîte manuelle 6 rapports. Ce sera donc vraiment une orientation plaisir de conduire. C'est la première fois qu'on a une hybride avec une boîte manuelle 6 rapports. Donc vraiment plaisir, engagement du conducteur dans la conduite de la voiture, avec donc ce supplément de puissance et de couple par le moteur électrique. En termes de motorisation thermique, est-ce que vous proposez plusieurs moteurs? Puisqu'on est dans la catégorie plaisir, je suppose qu'il doit y en avoir un petit qui ne consomme pas trop et un gros qui poutre sévère. Alors non, on a une seule type de motorisation, donc c'est un moteur 1,5 litre avec un moteur électrique et une boîte manuelle. Donc c'est vraiment un seul, dans CR-Z, une seule possibilité. On a d'autres véhicules hybrides dans la gamme qui ont donc des boîtes automatiques à variation continue, avec des moteurs un petit peu moins puissants, un petit peu plus puissants, etc. Donc on a vraiment une gamme de véhicules hybrides maintenant, avec la Civic Hybrid, l'Insight et le CR-Z. Donc voilà, c'est vraiment très large. Civic hybride plus orienté confort, Insight vraiment la voiture hybride la plus accessible, la plus abordable du marché, et CR-Z plaisir de conduire. D'accord. En termes de puissance, le moteur donc qui est proposé sur celle-ci fait combien? Le moteur électrique rapporte combien en plus? Alors l'ensemble du système fait 124 chevaux et le moteur électrique seul produit 14 chevaux. D'accord, c'est tout de même bien pour un petit roadster comme ça. Alors je sais pas si vous voyez trop bien, je m'écarte un petit peu, mais c'est quand même assez ramassé et ça a l'air réellement très sympa. On va vous mettre des petites vidéos après derrière. Je remercie Thomas pour toutes ces informations. Merci à vous et puis bonne visite. Et en espérant qu'un jour on aura une petite CR-Z en essai, pourquoi pas? Avec plaisir.